Bien d'habitude dans Escapade Gourmande, nous vous accueillons tout miel. Aujourd'hui, c'est presque tout fiel. Nous sommes dans un des endroits extraordinaires du monde, on peut le dire, puisque nous sommes au cœur du patrimoine oral de l'humanité de l'UNESCO sur la place Gemma El Fna à Marrakech. Marrakech qui a donné son nom au Maroc d'ailleurs. Marrakech, l'ancienne ville capitale, l'ancienne ville impériale, où il y a toujours un palais royal que l'actuel souverain fréquente très volontiers. C'est la perle du sud au pied de l'Atlas. C'est la ville rouge, comme on dit. La ville rouge parce que lorsqu'on a construit la Koutoubia, eh bien, elle aurait fait saigner le sang des habitants de la ville et ce sang se serait répandu sur les maisons pour leur donner leur nom, leur surnom d'aujourd'hui. Alors, sur cette place Gemma El Fna, sur cette cour des miracles en permanence, il faut y venir vers la fin de l'après-midi. Il faut y rester pour la tombée de la soirée et profiter de la nuit et de la folie qui s'en empare. Et oui, Guy, la place Gemma El Fna offre un fabuleux spectacle. Animée, elle l'est depuis toujours, mais jadis, sa réputation était plus sombre. On l'appelait la place des trépassés, car les corps et les têtes des suppliciés y étaient exposés. Aujourd'hui, les marchands d'agrumes ont remplacé les bourreaux. Alors, si c'est la cour des miracles, la place Gemma El Fna, on y trouve en effet toutes les sortes de médecines, tout ce qui est bon pour le cœur et pour l'esprit, c'est aussi d'une certaine manière la corne d'abondance. Il y a des tas de petits stands où l'on peut manger pour pas grand-chose et fort bien, ma foi. Et si je peux vous inviter à prendre un jus de vraies oranges de la région, c'est avec plaisir. Bonjour mon frère, mon ami, petit jus d'orange. Merci beaucoup. La place Gemma El Fna est le centre névralgique de Marrakech. La Koutoubia toute proche est l'orgueil des Marrakchis. Bâti au XIIe siècle, son minaret servit de modèle à celui de la Giralda de Séville. Ces quatre faces, différemment décorées, en font un chef-d'œuvre d'art hispano-mauresque. Avec ses 77 mètres, le minaret de la Koutoubia est le repère des fidèles comme des voyageurs égarés. Car dans la Médina, il est aisé de se perdre. 19 km de remparts construits au XIIe siècle par les Almoravides ceinturent les 600 hectares de la Médina de Marrakech, la plus étendue du Maghreb. On dit d'ailleurs que la moitié de la population de la ville y séjourne, soit près de 400 000 habitants. On comprend alors aisément l'effervescence qui règne dans les souks, où l'on trouve de tout, oh tiens, même un guillemère. Ah, ce sont des amandes, hein. Ceci des graines de tournesol par exemple. Nous sommes dans le couloir du souk aux amandes d'une certaine manière parce que les souks autour de la place Gemma El Fna, parmi les plus importants d'Afrique du Nord, eh bien, ils étaient répartis par profession. Il y avait celui des vanniers, celui des tisserands, celui des teinturiers, celui des babouches même. Alors aujourd'hui, tout cela, les noms sont restés cependant, s'entremêlent joyeusement dans des milliers, des dizaines de milliers, j'oserais même dire, d'échoppes pour le plus grand bonheur des touristes certes, mais des autochtones aussi. Si les souks sont une attraction touristique de taille, ils sont aussi et avant tout un extraordinaire marché semi-ouvert où les Marrakchis viennent faire leurs emplettes. Légumes, poissons, viande, olives et bien sûr les épices. On a des épices mélangées, comme ça. C'est pour les couscous, tagines, c'est pour les femmes qui ne connaissent rien à la cuisine. Là, c'est un mélange de 35 épices. C'est pour les couscous, tout ça, le goût et la couleur. On a là aussi 4 épices pour les poissons. Poissons, poulet, fruits de mer. À part ça, on a aussi le vrai safran. Ouais, voilà comment on est. Le safran, c'est... Voilà. C'est comme ça. Ça, ça coûte hors de prix. Au Maroc, ça vend moins cher. Ça donne le goût et la couleur. Ça passe partout. C'est le roi des épices. C'est ça la fleur de crocus. On prend le filament avec les mains. Un hectare du safran, ça donne à peu près 200 grammes, pas plus.
On a aussi du huile d'argan. L'huile d'argan, c'est à la mode maintenant. Ça, c'est comme ça. L'argan, c'est à la mode. L'argan, c'est ça, c'est la noisette là. Normalement, les chèvres, on monte sur les arbres, on mange la noisette là. Et après, ils crachent les noyaux. Et les femmes, elles ramassent les noyaux, les crasent avec un grand moulin. Ça donne un huile, c'est bien pour la peau, c'est anti-ride, anti-vieillissement. C'est bien aussi même pour le chute du cheveu. Très, très bien. On a ça, c'est cosmétique, on a l'alimentaire aussi. La Médina regorge aussi de foudouk, ces anciens caravansérails où s'arrêtaient les caravanes pour passer la nuit. On y trouve aujourd'hui, dans un étonnant Capharnaüm, des petits métiers oubliés. La boule, c'est la terre. L'anneau, ce petit anneau-là, c'est l'atmosphère. Et le petit dessin, c'est la nature. Ça, ça s'appelle un gris-gris, ça porte bonheur. C'est pour la gazelle. Voilà. Pour bien appréhender la Médina, il faut oser se perdre. Et c'est un risque que Guy semble prêt à prendre. D'ailleurs, sait-il exactement où c'est pas le Maine ? Je n'ai pas de plan, mais je suis pas sûr qu'avec un plan, j'y arriverai davantage. J'ai de bonnes indications quand même. Voilà, on est en pleine Médina. Hein. C'est ça la Médina, c'est ça, entre l'Inde, cet enchevêtrement de ruelles. Et nous avons un petit rendez-vous au Dar Sherifa. On m'a dit, c'est par là, et puis après, je vous explique. Je pensais qu'on était dans un riad, mais je sais que vous êtes effectivement très, très pointilleux, vous avez raison de l'être, sur la signification des mots. Nous sommes dans un Dar Sherifa en l'occurrence. Quelle est la différence entre les deux? En fait, nous sommes effectivement dans un Dar, parce que la différence entre un Dar et un riad, un Dar c'est un patio sans jardin, et un riad c'est un patio avec 4 carrés de jardin et un point d'eau. Ces dars ou ces riades étaient occupés par des familles jadis. Est-ce que c'était des familles riches, des familles nobles? Vous savez, la Médina de Marrakech, c'était la capitale des Almoravides et des Almohades à l'époque de l'Andalousie et tout ça. Donc effectivement, tout le monde habitait la Médina à l'intérieur des remparts. Et ce qui était fantastique dans ce système, ce qu'on ne voit plus à nos six jours dans le XXe siècle et maintenant, c'est qu'avant, traditionnellement, tout le monde était, il y avait le grand riad, les belles maisons, et il y avait les petits riads, les petites dars à côté. Donc tout le monde habitait avec tout le monde. Il n'y avait pas de ghetto comme on voit aujourd'hui. Alors ce dar ici, il y a quand même des éléments d'architecture et d'ornementation, de décoration assez particuliers. Oui, ce dar d'abord, c'est une dar qui est considérée comme la plus ancienne maison de la Médina. C'est une maison du fin 15e, début 16e. C'est l'époque saadienne. Et c'est, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est pour ça que, bon, il y a 6 ans, j'ai mis les mains et les pieds pour sauvegarder cette maison et la restaurer dans la règle de l'art. Et donc, je me suis promis, le jour où je vais la récupérer, je vais essayer de la montrer de la plus belle façon. Et c'est là où j'ai pensé un peu comment on peut montrer un bijou comme ça. C'est de créer un lieu de culture. On peut venir visiter d'abord la maison. Pour moi, ça, c'est la principale des choses. Et puis, on organise depuis 5 ans 7-8 expositions, peinture, photographie, textile, par an. Dans ce café littéraire, au milieu d'œuvres d'art, on peut aussi déguster le midi de petites spécialités marocaines. En sirotant bien sûr le classique thé à la menthe, signe de bienvenue. Abdelatif Haït Ben Abdallah fut un acteur important dans la réhabilitation de la Médina. C'est en 89 qu'il achète son premier riad. Il en possède aujourd'hui 5. Et au détour des petites ruelles sombres, on découvre l'étonnante lumière de ces lieux. Ça doit être là. Voilà, absolument. Je passe le premier.
Ah oui, quand on parlait de lumière. Voilà. Voilà, vous voyez, la réponse. La magie du patio, c'est ça. C'est ce que je suis en train de vous raconter. Il y a beaucoup plus de lumière dans un patio que dans les petites ruelles dans la médina. Et puis là aussi, pour la culture musulmane, c'est aussi quelque chose qui préserve le patio. C'est quelque chose qui permet d'avoir la lumière et qui préserve l'intimité des musulmans. Donc c'est pour ça que jamais, traditionnellement, dans un dar ancien ou dans un riad, il n'y a jamais de fenêtre qui est dansée à l'extérieur. Mais quand vous vous êtes intéressé à ce que j'appellerais cette opération de sauvetage, d'une certaine manière, des riads et des dars, il y a une petite vingtaine d'années, ça n'intéressait plus les Marocains et eux-mêmes. Absolument, il y a 20 ans, personne ne s'intéresser à ce patrimoine. Les grandes familles ont commencé à quitter la Médina depuis 50 ans, par mode, pour aller habiter les villas, les appartements en béton armé. Et donc, du coup, la Médina, pendant presque 50 ans, c'est devenu le quartier populaire de Marrakech. C'était les gens qui remontaient de la campagne, qui investissaient la Médina. Et c'est, malheureusement, c'est là où la Médina s'est beaucoup détériorée, parce que la Médina et l'architecture en terre, c'est tout un mode de vie. Et donc, ce qui fait que ça demande, ça peut vivre tout le temps, mais ça demande un entretien régulier, ça demande, c'est de la chaux, c'est des matériaux nobles, c'est pas des choses rigides comme on voit aujourd'hui. Vivre et dormir dans un riad, c'est véritablement vivre Marrakech et pour pas cher, entre 35 et 90 euros la nuit, avec petit déjeuner. Tous ces riads ont aussi de superbes terrasses, havres de paix, dans le tumulte de la Médina. En fait, ce sont les terrasses de Marrakech. Et traditionnellement, ce sont les femmes qui montent pour tendre le linge, pour prendre un peu le soleil. Et les hommes, ils montent une fois pour entretenir les terrasses, en fait. En fait, au moment des travaux, donc on a fusionné ces deux terrasses qui ne communiquaient pas du tout auparavant. Et voilà pourquoi on passe d'un toit à l'autre, absolument, je dirais. Absolument, absolument. Sur les 28 000 maisons de la Médina, 1000 seulement ont été restaurées, mais les 1000 plus belles, et souvent à prix d'or. Marocains et Européens de tout poil s'arrachent ces magnifiques endroits luxuriants et luxueux. Beaucoup, comme le Dar Moa, servent d'écrin à des restaurants gastronomiques très chics, mais abordables. Et dès la nuit venue, la magie s'opère encore un peu plus. Dans une ambiance mille et une nuits langoureuse et calme, comme ici, au Dar Zelij. Du calme ici, de la vie, du bruit, de l'agitation là-bas. Retour, place Gemma El Fna, pour vivre un moment étonnant. À la nuit tombée, la place devient le théâtre d'un gigantesque et fascinant spectacle en plein air. Quand je dis que c'est le plus grand restaurant à ciel ouvert du monde, je ne suis pas loin de la vérité. Hein. Absolument. Moi, en tout cas, personnellement, je ne connais pas un restaurant aussi grand que celui-là, qui est celui de la place Gemma El Fna. On va s'asseoir oui, là, avec plaisir. C'est libre. Merci. Ils ont des jolies choses, là. Et alors, il y a chaque restaurant a un chiffre pour le, oui, le je personnaliser. Pense, merci. Absolument, absolument. Et je pense qu'il y a à peu près une centaine de restaurants sur cette place. Il n'y a pas que les restaurants, il y a aussi les charmants de serpents, il y a aussi les contours, les fameux contours de la place Gemma El Fna. Donc, c'est une place assez particulière. C'est une place pour les touristes, bien sûr, mais aussi pour les Marrakechis. Franchement, je peux vous dire qu'avant que ce soit une place pour les touristes, c'était le théâtre et l'endroit où on peut vraiment raconter les histoires et tout ça pour les Marocains. Qu'est-ce que vous avez ici? On a des gris-gris qui apportent bonheur. On a des plantes médicinales. Ça, c'est des gris-gris qui apportent bonheur. C'est parce qu'on les remplit avec l'encens des Touaregs dedans. Comme ça, voilà. Tu veux que je remplira? Ça y est. C'est le premier, mais les grains de l'amour. C'est bon pour l'amour et pour la chance. Ça, c'est contre la sorcellerie. Porte chance pour les enfants qui ne travaillent pas bien à l'école. C'est bon pour la baraka, contre les mâles, pour protéger la maison, contre la jalousie et pour gagner les choses. Tout ça, c'est des gris-gris qui s'apportent bonheur. Après, on met du musc qui s'apporte bonheur. Voilà les muscles contre le diable.
et contre les cauchemars. Ça, on les ferme, après on les met dans les clés, ça porte bonheur. C'est bon pour la chance, bon pour l'amour, comme ça on les met dans les clés. Et son valeur combien, ça coûte que 10 dirhams. Alors qu'est-ce qu'on va manger ici? Mais écoutez, il y a plein de bonnes choses. Il y a des, je vois qu'il y a des très bonnes aubergines, oui. une sorte de caviar d'aubergine qui est délicieux. Il y a des brochettes bien sûr, d'agneaux, de poissons. Et il y a les salades, donc il y a un peu de tout. Bah, hein. On peut commander un peu de tout comme ça? Oui. Bah, c'est ce qu'on va faire, surtout légumes, tiens moi. Ah bah voilà, très bien. Et tu veux pas un peu de brochettes? Mais un peu, une petite brochette quand bon, même. Bon bah très bien. Quelques brochettes et des salades s'il vous plaît. Ouais. Un mélange. En tous les cas, sur cette place, il y a quelque chose que je trouve fantastique. Pour moi, à partir de la place Jemaa el-Fna, Marrakech marche à deux vitesses. On peut dîner avec 10 dirhams, c'est-à-dire 1 euro sur la place Jemaa el-Fna, comme à la Mamounia, peut dîner pour 200 euros. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve fantastique. Cette place, malgré qu'il y a du tourisme et tout ça, on peut vraiment dîner vraiment pour 1 euro. Voilà, donc il faut, si on est 5 jours à Marrakech, ce qui est déjà une bonne durée, oui. On vient 4 jours ici et puis le 5e jour, on va dans un grand restaurant, c'est ça? Voilà, quelque part. on va toujours commencer ici. Hein. Voilà, absolument. Au lever, pour rompre avec l'agitation de la nuit, nous parcourons dans la fraîcheur des bougainvilliers l'un des plus beaux jardins de Marrakech, celui du peintre français Jacques Majorel. En 1923, à l'âge de 37 ans, Jacques Majorel tombe amoureux de la lumière et des couleurs de ce pays. Il achète un terrain dans la Palmeraie et y fait construire un somptueux jardin et une villa mauresque à l'éclatante teinte bleue, le bleu Majorel. cent sortes de cactés, fleurs tropicales, bananiers, fougères géantes et 400 variétés de palmiers envahissent les 4 hectares du jardin. La villa et son jardin sont ouverts au public, bien qu'aujourd'hui propriété privée du grand couturier Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger. À l'ouest du quartier de l'Hivernage, un autre havre de paix, la Ménara, un jardin impérial du XIIe siècle. Cette imposante livrée de plus de 100 hectares se trouve pratiquement aux portes de la ville, de la Médina, pas encore tout à fait dans le bled, dans la campagne, et servait de lieu de plaisance, quelquefois de plaisir ou de complaisance même pour les sultans. Elle s'appelle la Ménara et elle tient son nom de l'illumination, du système d'illumination par bougie que l'on apportait non seulement au plan d'eau, mais également au pavillon qui le borde et où les sultans prenaient du bon temps avec leur élu et leur préféré du moment, que dit la légende. Sinon l'histoire, il s'empressait de précipiter dans les eaux du lac le matin revenu. Allez Zou, il en est fini de cette flânerie. Avez-vous repris des forces, Guy? Alors, en route pour une dégustation de pâtisserie chez Madame Alami. Un petit peu de brioate aux amandes, un petit peu de chebakia. Et un petit peu de corne de gazelle. Vous m'en rapporterez un petit ballotin, n'est-ce pas, Guy? Madame Alami, on ne m'avait pas menti, nous sommes dans une véritable bonbonnière et il paraît que c'est une histoire de famille et de femme. Absolument. Alors, c'est une affaire de famille parce que ma mère, c'est une cordon bleu au point de vue cuisine et pâtisserie marocaine. Donc, elle a eu ça de sa grand-mère et de mère en fille. Bon, on a ça. Bon, on est 3 sœurs à faire ça à travers le Maroc. Il y a une à Casablanca, une à Rabat. Et moi, je suis ici à Marrakech avec 20 ans d'expérience et 20 femmes dans mon atelier qui nous font tout ça. Ah, mais c'est mieux que l'atelier, si on est dans votre cuisine. Ah ben, on vous accueille dans la bonne tradition marocaine, oui. Chez moi, dans ma cuisine.
pour vous démontrer comment on fait la corne de gazelle. La corne de gazelle, on dit comment ça? Câble roselle. Alors on va commencer à fabriquer la corne de gazelle. Alors la pâte d'amande et la pâte à base de farine. Il y a deux pâtes. Il y a deux pâtes, oui. Et celle-là va être à l'intérieur de celle-là. Des petits morceaux comme ça, des petites boulettes. Et Mina va étaler la pâte dans laquelle on va mettre ses bâtonnets de pâte d'amande. Alors, la corne de gazelle, d'après une histoire que ma mère m'a racontée, c'est les belles dames, avant, quand elles marchaient, on faisait voir leurs pieds exprès, parce que c'est tout ce qu'on voit de leur silhouette. Et c'est comme une sorte de corne, la cheville. Parce que c'est la cheville de la gazelle qu'on appelle câble, roselle. Voilà. Et on, par le temps, on a dit que c'est une corne de gazelle. La corne de la gazelle, c'est-à-dire la corne de la belle, la cheville de la belle. Voilà, les cornes de gazelle sont prêtes. Combien de temps au four? Alors 20 minutes, avec un thermostat de 120 à 130 degrés. Tout beau, hein? Juste doré, pas trop. Voilà. Superbe. Je peux? Mais bien sûr. Très délicat. Oui, complètement. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. À Marrakech, il n'y a pas que les femmes qui font les belles heures de l'art culinaire marocain. Il est une étonnante recette sur laquelle elles n'ont pas main mise. Une recette bien ancrée dans les traditions. Ah oui, bien sûr, tradition, mais tradition masculine, aussi loin qu'on se souvienne. C'est une recette que les Marrakechis, c'est comme ça que vous dites? Tout à fait, les habitants de Marrakech, voilà, on les appelle les Marrakechis. De père en fils, en réalité. Exactement, je l'ai appris de mon père et je vais l'introduire à mon fils qui va l'apprendre aussi. C'est ce plat qu'on appelle la tangia. Sinon, les hommes cuisinent peu. Ah oui, ça c'est vrai, ils cuisinent moins. On est un peu fort au niveau de grillade, d'accord, quand on fait nos brochettes. Mais sinon, c'est les femmes qui nous font le bon tagine. Tangia, comment? Tangia, ça c'est du nom du récipient, j'imagine. Exactement, elle est là. C'est ce récipient, tangia. Dans cette tangia, si on est 8 personnes, on va disposer 2 kg de jarret de veau ou de l'agneau, du safran, de l'ail, du cumin et des citrons confits. Vous remarquez, je n'ai pas de sel. Pourquoi? Parce que le citron confit, elle est salée. Et c'est pour ça que je ne mettrai pas de sel. Ça, c'est très important. Alors, Reda, tu vas voir comment on prépare la tangia à mon fils. C'est comme ça que je l'ai appris de mon père. Et c'est très important que tous les habitants de Marrakech savent comment préparer la tangia. Alors, d'abord, on lave proprement la jarre. La viande, on va la couper en petits morceaux parce qu'on ne va pas mettre tout en même temps. L'ail. Une cuillère à soupe de cumin. Du safran. Du vrai safran, hein. 2 pincées de safran. Du citron confit. Alors là, on a le choix entre les petits ou le gros. Mais prends-le un grand. On le coupe et on le met directement. Maintenant, je mettrai une demi-cuillère de beurre fondu. De l'huile d'olive. Et toujours, il faut savoir mélanger. Ça, c'est très, très important. En général, on le garde même une heure, deux heures avant de l'amener au four. Parce qu'après, on va l'amener au four. Mais il faut mettre de l'eau. Voilà, c'est parfait. Maintenant, tu peux secouer. Tu peux le secouer comme ça. Viens, tu prends. Allez, voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Très bien. Et après, on va la fermer avec du papier et une ficelle avant de l'amener au four. Mais quel four? D'accord. Le four du hammam public que je vais vous amener. Comme ça, vous allez voir comment on met la jarre. On ne cuit pas ça chez soi. Exactement. Salam alaikum. Allah yassira alayka sidina madina najiyat. Tassbah nchouliha. Barakallahu fik. Barakallahu fik.
Vous n'allez pas me dire que ce four sert uniquement à ça, ici. Ah non, non, c'est aussi le four pour chauffer notre hammam du quartier. Parce que c'est là où on vient tous laver minimum une fois par semaine. C'est vrai, là? Ah oui, oui, c'est un superbe hammam. Hammam pour homme et hammam pour femme. Mais vous dites, c'est la tradition, on vient se laver, on se lave chez soi quand même. Oui, mais une fois par semaine, on a le gommage. C'est très intéressant, un massage typique qui est dans ce hammam qui est aimé. Tous les Marocains viennent une fois, minimum une fois par semaine. Sinon, on a la douche, c'est normal, oui. La tangia, une tradition faite pour rassembler les générations autour d'une table. Ainsi se termine souvent une journée marachi sous le signe de l'accueil et du partage. Au revoir, que la paix soit avec vous. Au revoir et à bientôt. Au revoir, à la prochaine. Vous êtes toujours les bienvenus si Dieu le veut.